parce que c'était pas du tout le plan du jeu. On avait prévu de marquer tôt, on a réussi à le faire, chose qu'on n'arrive pas à faire d'habitude, mais on n'a pas su mettre le deuxième but. Et donc c'est là où on peut noter les progrès qu'il nous reste à faire. Quand on marque tôt, il faut savoir mettre le deuxième but ou du moins se mettre à l'abri pour ne pas encaisser. Donc on a encaissé. Et sur la fin, bien sûr, ce but à la 93e minute, voilà, c'est le coup franc de la dernière chance. On marque. Et ça aussi, c'est un fait inhabituel pour nous de marquer à la dernière minute. Donc moi, je crois aussi, on est tous croyants. Donc ça fait très, très plaisir de gagner. Vous parlez justement aussi de Nabi Keïta contre le Malawi à la dernière minute. Seydou Ba Cissé aujourd'hui à la dernière minute face à l'Ouganda dans une configuration un peu similaire. Est-ce un signe du destin après la qualification acquise à la Coupe d'Afrique? Est-ce un signe du destin dans cette nouvelle campagne qui arrive? Ouais, et puis ça montre que les garçons ont pris conscience et qu'on a un nouvel état d'esprit d'aller chercher la victoire comme ça jusqu'au bout. On peut parler de coaching et tout ça, mais moi je rentrerai pas là-dedans. Mais par contre, dans l'avant-match, je l'avais dit aux joueurs, j'avais dit que même si c'est à la 93e minute qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il fallait y croire. Et vous pouvez leur demander, là ça change dans le vestiaire, parce que justement ils le disent, ouais, la 93e minute. Alors j'espère qu'ils ne vont pas le faire à chaque match. J'espère qu'on ne va pas le faire à chaque match pour essayer de s'aménager des victoires un peu plus tranquilles, surtout quand on a des adversaires à notre portée, comme ce fut le cas aujourd'hui. Donc voilà, et même si on a gagné, on sait qu'il y a des choses à améliorer, mais je note que les trois points sont vraiment les bienvenus.